Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. Alhamdulillahi hamdan kathiran tayyiban mubarakan fihi wa salaman wa salatan ala khairi khalqillahi Muhammad ibn Abdillah sallallahu alayhi wa sallam. Chers frères et sœurs en islam, assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh. Nous commençons par remercier Allah subhanahu wa ta'ala pour tout ce bienfaveur. Nous remercions l'alhamdulillah, les préfets nous rejoignent pour nos sessions questions et réponses de Bibod Ifta al-Huda wa Nour, 141e session et depuis Bibod Ifta al-Huda wa Nour. Alors, comme nous t'annonce pendant le mois de Ramadan, nous préférons lire après la salat al-Dhuhr dans samedi normalement. Sinon, s'il y en a qui est inconvénient, là nous pouvons faire lire dans dimanche, mais pas reste grand chose pour le mois de Ramadan. L'itia à sa fin et ensuite nous retournons à la normale, c'est-à-dire dans samedi après la Salatou al-Isha et après le mois de Ramadan. Alors sans plus tarder, après avoir qu'il nous remercie Allah subhanahu wa ta'ala encore une fois, nous remercions lui, donne-nous l'occasion pour nous présenter nos 141e session depuis Bode Ifta al-Huda wa Nour. Sans plus tarder, nous passons à nos bonnes questions. Nous avons une question mélange aujourd'hui et nous concernons Zakat, Ramadan, Fitra, etc. Et ma question en général. Question numéro 1, une question concernant Hijama. Assalamu alaikum. Question de la part d'un Seya, l'infer Hijama, mais ce disant, pan sauti même, l'insauti tigit tigit et l'incumé disant là. Sa madame qui ne fait ce Hijama là, peut dire. Sa madame qui ne fait Hijama là, et li peut dire li, li bisin fait Rukia. L'inconseil ben avec de l'eau fait maçon, tout ça, est-ce qu'il est vraiment un signe qu'il est bien fait ruqya ça? Alors, quand nous fin demande à un professionnel dans le domaine hijama, il fin dire, si l'incumé, ça, l'impossible, l'air fin rentre dans sa cup qui mettait là, ça, une possibilité. L'air fin rentre dans sa cup là, et soit, l'ipas se disant li un peu acidique. Ça, c'est des raisons qu'il finit de manger. Soit l'air fin rentre dans le plat, soit se disant un peu acidique, c'est-à-dire l'acide prédomine plus dans ce disant. Deuxième, les acides sautent, tigit tigit, soit l'anémie, soit l'ipéna assez circulation disant. Alors, ça, c'est quatre raisons qui, ben, spécialistes dans le domaine, fin mentionne nous, quand nous finissons demander zut, l'imoran veut dire, soit l'air rentre dans le plat. Deuxième, soit se disant les plus acidiques. Et troisième, soit les anémies. Et quatrième, soit un problème avec sa circulation disant. Ce qui est important pour connaître, pas tout ban qui offre service hijama, c'est ban professionnel. Ça, c'est très, très important. Dans Maurice, ban qui offre service hijama, pas tout professionnel. Hijama, il passe ce qu'on va dire, ou pose que plein une place où tu es disant. Non. Et n'a pas un point que nous supposons tu es disant. Pour telle maladie, telle place. Pour telle maladie, telle place. Pour telle maladie, telle place. Dans sa façon-là. Et n'a pas un professionnel.
nous pas faire propagande pour personne, clair, mais c'est moi connais il y a ban professionnel et il y a beaucoup du monde qui pas professionnel. Ils disent qu'on pose cap, ils pompent, ils courent, ensuite ils passent l'arme, ils tirent du sang. Non, ils pas comme ça ça. Alors ça c'est nous on prend beaucoup de précautions. Au contraire, il y en a beaucoup qui servent ça pour embêter du monde, pour enrichir lui-même. Alors c'est un du monde qui suit un cours professionnel. Alhamdulillah, les qualifiés pour ça, alhamdulillah. Mais il y en a beaucoup qui font ça pour enrichir lui-même. Et beaucoup de gens qui font hijama, ils font business ruqya ensemble avec ça. Faites très attention. Alors, les dire, ou soi-disant, où il y a tel problème, ou bien même où il y a sorcellerie. Alors, ou bien faire un peu session hijama, ruqya avec lui, et tout ça là, c'est faux. Tout ça là, c'est faux. Donc, nous vous conseillons, où, et ban frère, et ban soeur aussi, alcool ban professionnel, quand faire hijama, et ban qui digne de confiance, afin qu'ils ne soient pas être embêtés. Alors, ce qu'on va nous dire, nous pas là pour faire propagande pour personne, nous pas vous faire, nous pas vous donner numéro personne, dans le public aussi, c'est lui qui a envie, il est capable de contacter, Baud Ifta, ou soit Bureau Al-Houda Wan-Nour, ban là pour diriger vers ban, des monde qui profait, professionnel. Question numéro 2, assalamu alaikum, moi il y a une question un petit peu longue, mais mon envie gagne un éclaircissement là. Alhamdulillah, mon fait Hajj, et après Hajj, alhamdulillah, mon fait un Umrah. Mon maman est fini décédée, moi j'ai envie de faire un Hajj pour lui, est-ce que si mon fait un Umrah, Ramadan, qui m'en apprend, gagne récompense un Hajj, ensemble avec les prophètes sallallahu alayhi wa sallam, comme si on fait sa Hajj avec les prophètes, est-ce que si mon fait un Umrah Ramadan, et l'intention qui m'a fait faire ça pour mon maman, est-ce que mon maman gagne récompense un hajj, soit mon bizin a fait un hajj pour lui, dans le mois de Dhul-Hijja, à cause si mon à l'inscrire, il vous prend beaucoup de temps pour gagner réponse, jazakallahu khairan. Alors, celui qui fait un umrah, badal, dans Ramadan, ça dit mon nom pour gagner comme récompense un hajj, qui fait être accompli ensemble avec Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam. N'importe qui ça n'a. Dans le mois de Ramadan, il y a le fait, Umrah, connaît comme si les filles faisaient Hajj ensemble avec Rasulullah. Son récompense, les gains, comme on dit, Hajj, qu'il vient faire avec Rasulullah, sallallahu alayhi wa sallam. Et là, nous saisissons à l'occasion-là pour attirer l'attention. Il y a beaucoup de frères et de sœurs pensent que quand elle fait Umrah, obligé reste 15 jours. Obligé reste plus que 15 jours. Obligé à Medina. Connaît qui fait Umrah, il n'est pas attaché avec un nombre de jours. Contrairement à Hajj. Contrairement à Hajj, ça, 5 jours, obligé reste à Makkah. Mais Umrah, non. Comme ça même, elle visite Medina, elle n'a aucune relation, ni avec Umrah, ni avec Hajj. Mais le fait qu'un Mauricien lui dépense une somme colossale pour lui faire Umrah, alors, il passe un peu de temps à Makkah. 15 jours, soit 7 jours à Makkah, 8 jours à Makkah, soit 10 jours à Makkah et 5 jours à Medina. Ensuite, il profite de l'occasion-là et elle visite Masjid Nabawi. Elle visite Masjid Quba. Donc, dans sa façon, là, mais, Pena n'en est dans la charia qui dit obligé à rester un jour dans Makkah pour faire Umrah. Un du monde est capable de rester un seul jour. Il y a aller, il prend un avion grand matin, il rentre là-bas à soir, il fait Umrah, lundi, mais il prend un avion, il reste une Maurice. Pena aucun problème. Zamin, il s'est attaché avec un nombre de jours. Ça, les bons ont attiré l'attention là, parce qu'ils ont dit tout qui sont filmés une business, alors beaucoup du monde profitent de ça, dans cette situation-là. Donc, si un du monde a fait Umrah dans les mois de Ramadan, là, les gagner comme récompense, comme si les filles font Hajj ensemble avec Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, les pouvaient dire certainement un Umrah qui est accompli dans Ramadan, les égal à un Hajj qui finit accompli ensemble avec moi. C'est mal là, les bons attirent l'attention. C'est tout ban qui a le commencement Ramadan, et la finale dans Shaban. Je t'en dans Shaban, c'est pas 10 jours, 3 jours, ou soit une semaine avant Ramadan, je finis faire cette Umrah, là, je passe Umrah, Ramadan là-bas, je pas faire Umrah là dans Ramadan. Umrah là, bizarre fait dans Ramadan. Ihram là, bizarre commence dans Ramadan. Si Ihram, il commence avant Ramadan, dans Sha'aban, on arrive là-bas Ramadan, on fait Umrah, là, si il pas compté. Parce que Ihram avec Umrah là, bizarre ensemble. Alors, Ihram et Umrah là, bizarre dans les mois de Ramadan. Clair? Alors, faites très attention, ça. Ban Kalbonir, je connais, je besoin ressortir, pour je gagne récompense Umrah, Hajj là, je besoin ressortir, allo en miqat, là, là, je reviens Makkah, je te fais, je te umrah dans Ramadan. Ihram et umrah dans Ramadan. Léla qui gagne sa récompense Hajj avec Rasulullah. Mais récompense qui est attachée avec une action. Qui accomplir sa action-là, c'est des petites choses différentes. Surtout si c'est une action qui est obligatoire. Jamais les prophètes pas fin dire, c'est lui qui fait un umrah dans Ramadan,
l'obligation hajj tombée au lit. Et il est capable de faire hajj. Clair? Alors, ce n'est pas comme ça. Est-ce qu'il y a un sahaba et un salafine? Comprends-tu comme ça? Non. C'est comme ça. Hajj, comme il vient là, le 300, 275, 280 000 roupies. Et un umrah dans Ramadan, peut coûter nous qu'à dire plus 100 à quelque chose. 100, 110, 115. Mais c'est comme ça, tout le monde a le faire. Umrah dans Ramadan, et il gagne hajj tombé au lit. Non, il n'est pas comme ça. Ça a une récompense. Ça a une récompense, c'est lui qui fait une fête umrah dans Ramadan. Mais amen, tu veux dire qu'il hajj tombé. Hajj obligatoire tombé au lit. Alors, si les filles satisfait à une condition de hajj, les besoins de faire hajj. C'est hajj qui est obligatoire au lit. Alors, pareil comme ça même, un djimoun qui vient faire un umrah dans Ramadan pour son maman, s'il finit gagne l'occasion pour faire un hajj pour son maman, il a le fait à lui. Non plus qu'il dit, il finit faire umrah dans Ramadan pour son maman, alors, il finit gagne récompense hajj, il va pas faire hajj pour son maman. Non. Si hajj, c'est obligatoire pour son maman, il va pas faire avaler, il va faire un hajj badal, il va faire un hajj badal. Il va pas sanala, le compte sanala. Allah qu'on m'aille. Question numéro 3. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Une question depuis Rodrigue. Bye, au fait, Maurice Rodrigue. Au fait, Maurice Rodrigue. Vous connaissez, mon parole suit Banla à cause de pédir, de sunni. Et l'Ola, mon en rivette. Si mon suivre, zut, mon pays, attention, moi, égaré, exut. Mon tiena, une petite question. Est-ce qu'il m'a gagné droit de suivre Sehri avec Iftar, les Maurice? Ou soit, l'Ivin Haram pour moi? Ou soit, mon gagné droit de suivre ici, zut, les Sehri et Iftar? Mais zis, sa ban doa là, qui m'a pas lire, sa ban doa qui n'a le calendrier. Allahumma asum, ghadal laka faghfir li ma qaddamtu wa ma akhartu. Et Allahumma laka samtu wa bika, ban doa qui n'a le ban calendrier. Allez, nous dire, chaque pays, chaque endroit, il y a un lire, sehri, il y a un lire iftar. Claire, c'est tout ban grand pays. Maurice, peut-être trop belle différence. Claire, normalement, nous ban lire iftar, il est presque pareil. Mais connais qui chaque pays se lire sehri, et sur les iftars, pas pareil. Les soleils levés, les soleils couchés, pas pareil. Les salats fajr rentrés, l'été terminé, et ben, les autres salats, pas pareil. Alors, nous visons à bail avec l'air. Donc, dans ce qui concerne l'air, peine n'a eu de mal les dents au suivant là. Parce que Rodrigue, dans Rodrigue, vous visons suivre l'air, soleil levé, soleil couché, les fajr rentrés, les fajr arrêtés, les iftars rentrés, les soleils couchés, vous visons suivre ça. Donc, vous suivez ces bandes là dans l'air. Créant. Mais en ce qui concerne ban bida, on pas suivre ban là. On pas suivre ban là dans ban adhkar bida qu'il y a dans sehri grand matin, qu'il y a dans iftar l'après-midi, ça on pas suivre. On va bien pécher. Mais dans les salades, non. Obligé de suivre Rodrigue sur les salades. Rodrigue sur les iftar. Rodrigue sur les sehri. Dans sa façon là. Alors, ça c'est, et comment nous suivre les sehri et iftar chacun dans ce pays. Chacun dans ce pays et nous pas suivre un autre pays. Alors, fait, comment dire, et Maurice avec Rodrigue, ils n'ont pas le même, comment dire, le même la ligne, le même lien. Alors, si arrivé, les Maurice avec Rodrigue, pareil, il n'y a pas de problème. Il n'y a pas de problème, mais c'est moi, il est totalement différent. Chaque pays, il peut dire différent, excepté, nous, si nous, le même la ligne, il y a un autre affaire. Donc, nous suivre Rodrigue, sur les Iftar, sur les Sehri, oui, pas suivre eux dans notre bida. Pas suivre eux dans notre ban kitsos qui contredit din Allah. Subhanahu wa ta'ala, ou pas vous gagnez aucun péché. Ou pas vous gagnez aucun péché. Mais ou pas gagnez droit suivre les iftars et les sehri maurice, si à tout sénat, ben, une différence dans l'air. Question numéro 4. Assalamu alaikum. Une madame fait 8 rakat tarawih la case, et lui fait 8 heures grand matin. Avant 8 heures, lui fait 10 rakat tahajjud. Est-ce qu'il gagne droit? Jazakallahu khairan. Alors, salat nafil qui nous fait pendant la nuit, dans Ramadan, lui aussi connu comme salatul layl, qiyamul layl. Normalement, quand on peut faire en dehors Ramadan, l'icône comme Salatul Layl et Qiyamul Layl. Et Qiyam Ramadan ou soit Salatul Tarawih, quand on peut faire dans Ramadan. Salatul Tahajjud, appelé Tahajjud, si nous peut faire après un sommeil. Donc, comprends bien ce mantième là. Parce qu'il va nous dire beaucoup le mantième là. Alors, Salatul Layl et Qiyamul Layl en dehors Ramadan, l'icône comme Salatul Layl et Qiyamul Layl. Dans Ramadan, l'icône comme Qiyam Ramadan, ou soit salat al-tarawih. En dehors Ramadan, ou soit dans Ramadan, quand nous pouvons faire lit après un sommeil, il connaît comme tahajjud. Donc, par exemple, là, nous déduisons que si sa madame-là divise ce salat nafil pendant la nuit, qu'il y fait pendant la nuit en deux, une partie salat pendant la nuit, Isha, après Isha, et une partie salat avant les fajr rentrés, c'est-à-dire qu'il finit accomplir
10 rakat, et ensuite il vient faire son 8 heures. Et alors, Inch'Allah, puis il n'a aucun problème, le holi, mais seulement dans un lani, tu vas faire des 8 heures. Les prophètes disent là, 8 rani, puis il a des 8 heures dans un seul lani. Donc, celui qui, il peut faire, ben madame, nous peut cause, ben madame, c'est tout. Ben, Michel, tant capable, termine votre sorat avec Jamaat, vous avez gagné récompense, un lani de son récompense. Un lani de son qiyam. Ben madame, vous êtes capable de faire une partie, commençons la nuit, une partie dans la fin de la nuit, et les autres faire 8 heures le matin, si je papier al-mas, si je papier al-masjid, si je papier al-masjid, mais seulement qu'on est dans la nuit, nous n'avons pas le droit de faire plus qu'idée 8 heures. Question numéro 5, assalamu alaikum. Moi, on a des enfants, petits. Est-ce qu'ils m'ont gagné le droit de servir tesbih, compter pour faire ban zikrullah? Ban zikrullah qui besoin faire 100 fois, parce qu'avec des enfants, fini oublier comment nous arriver, combien nous finir arriver, jazakallahu khairan. Alors, ça, c'est à la peine demander, il y en a 26 enfants, et, alors, et bizarre, ok, ban là, etc., etc., et quand il fait tesbih, il arrive, fini oublier s'il peut faire le lamé. Mais est-ce qu'il gagne le droit de faire dans le chapelet, qui appelle tesbih, avec ban la graine, là, et ban collier, est-ce qu'il est capable de faire tesbih avec ça? Alors, à la base, quand nous faisons zikrullah, nous comptons avec nous les doigts dans nos lamés. Nous comptons avec nous les doigts dans nos lamés. Clair? Rapporté par Abdullah ibn Amr, il dit, Rasulullah, il a des actions qui payent, aucun esclave musulman qui peut préserver sa des actions-là, excepté qu'il est pour Jannat. C'est des actions faciles, mais, ban qui met en pratique, vous êtes bien, tigit. Il a des actions qui garantit nous Jannat, ban qui met en pratique les faciles, ban qui met en pratique the tigit. Les dire, après chaque salat, nous faire 10 fois tesbih. Une façon qui nous fait adhkar après salat, c'est 10 fois tesbih, 10 fois alhamdulillah, et 10 fois Allahu Akbar, alos, ça en. Ensuite, les dire, quand on monte le lili, il fait 34 fois takbir, ça déjà action là, 33 fois alhamdulillah, et 33 fois subhanallah. Ça, c'est créer deuxième action qui bien facile, qui garantit nous jannah, mais bien peu qui fait lui. Ensuite, il dit, le sahabi qui rapporte ce hadith à Abdullah ibn Amr, il dit, ensuite, mon fin trou, Rasulullah compte ça avec ce lamé. Il compte ça avec ce lamé. C'est-à-dire, Rasulullah, tu peux faire tesbih le lamé. Le les doigts. Alors, sunna, c'est faire le les doigts. Dans lamé. Et nous lamé, nous les doigts pour témoigner pour nous les juges, qiyama, comment nous contribuer, ben, membre les cours, pour témoigner, pour nous les juges, qiyama. Alors, faire tesbih avec ou les doigts, avec ou la main, tant capable, afin qu'il les témoigne pour ou les jours du qiyama. Cheikh Al-Albani, rahimahullah, ta'ala, lui dit, en bref, celui qui fait tesbih avec sur la main gauche, lui fin être désobéissant. Parce que quand nous fait tesbih, nous fait avec la main droite. Juste la main droite, pas servir la main gauche du tout. Nous servons juste la main droite. Quand il veut paraître gauche, mais ici, les droites, parce qu'il m'a caméra, il reverse. Et la preuve, c'est tout le temps, on met le monde dans la main droite. Alors, en bref, c'est lui qui fait tesbih avec la main gauche, les finettes désobéissantes. Tesbih là, pour compter, mais c'est mal les nettes désobéissantes. C'est lui qui fait tesbih avec ce délamé, pareil comme a beaucoup du monde fait, les fines mélange entre bon et mauvais action. Et peut-être qu'il y a la pardonne, ben là. C'est-à-dire, c'est lui qui fait avec la main gauche, ou soit avec tous les délamés, qui a la pardonne, mais c'est mal les mokhalifs, les contredire la sunna. Quand Allah, c'est lui qui pardonne, et c'est lui qui gagne pitié. C'est lui qui fait tesbih zis avec sur la main droite, les finettes guidées, et les finettes atteignent la sunna du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Donc, tesbih faire avec la main droite, et ça c'est sunna. Et est-ce qu'il gagne droit servir chapelet? Pourquoi je tout venir de chapelet? Ça, espèce collier, et qui, ben, du monde servit là. Alors, l'opinion qui paraît plus faux, qui est permissible avec certaines conditions. Avec certaines conditions. Par exemple, si un dimoun là, il y a vraiment un message, il dit à moi, est-ce qu'il gagne le droit de servir tesbih? Je ne peux pas vous gagner le droit ni d'y aller oui, ni gagner le droit d'y aller non, sans qu'il me questionne, je me demande certaines informations additionnelles. Par exemple, Solaz, il est important. Un jeune, il n'est pas conseillé de servir tesbih. Excepté s'il est analphabète, il n'est pas compte compter, il a affaires. Mais, un vieux dimoun qui peut commencer à perdre des mémoires, il n'y a pas qu'à compter. Pour lui, il est permissible. À cause de ça, qu'il n'a pas nous demandé l'as. Alors, dans sa façon. Donc, c'est une condition. Donc, condition pour servir tesbih. Ça, qui va du monde compter là. Qu'il y soit électronique là. Qu'il y soit, ben, qu'il a la graine là. Et là,
Cinq conditions. Il y a cinq conditions qui gagnent le droit à servir Tesbi. Claire? La grain colis là. Numéro un. Servili avec la conception qu'il est meilleur si nous comptons Tesbi avec nous les doigts. Ça, première petite chose. Quand nous servons Tesbi, Claire? Nous besoin servir avec conception qui l'eau les doigts, ça l'est meilleur. S'il peut servir Tesbi, et lui dire ça meilleur qui compte l'eau les doigts, ça vida. Quand il vient vida, s'il trouve Tesbi, servir Tesbi, ça meilleur. Mais si les servili à cause il y a une difficulté pour compter, il n'y a aucun problème. À cause ça qui nous demande oulaz. À cause ça qui nous demande oulaz. Donc ça première condition. Deuxième condition, les servili comme un moyen et non plus comme une petite chose qui nous peut considérer sacré. Tesbi là, on est même pena, non, il est sacré lui là. Alors nous servili comme un moyen. Pareil comme un micro. Micro, il y a des gens quand cause bida, on dit, te servir micro dans khutba. Non, il y a un moyen. Si moi dis non, micro sacré, bizarre, un micro pour khutba compter, là, la li vient bida. Comprends bien. Alors, si nous servons, il existe comme un moyen. Alors, si nous peut servir comme un moyen, et non plus comme une petite chose qui nous peut considérer comme sacré, ou une source de baraka, ou un symbole de dîn. Alors, attention, il y a pensé qu'en faire tesbi, qu'en faire subhanallah, alhamdulillah, Allahu Akbar, avec tesbi, il y a plus barakat. Non. Claire? Il y a du monde, il lave ce tesbi, avec des lozamzam. Claire? Il y a pendant lui, il pose le mushaf, le Coran. Pas qu'un droit, le Coran ou pas qu'un droit, pose non rien. Il pose ce tesbi, le mushaf. Alors, avec conception qui, il y a une barakat, et la barakat, la donne qui sont sacrées. S'il y fait servir tesbi avec ça, conception là, c'est un bida. Ça, c'est deuxième condition. Troisième condition, il servit d'une façon qui ne pas faire publicité avec ça. Il y a du monde trouvé, pensez, peut faire tesbi. Personne n'a pas besoin de trouver. Claire? Alors, sinon, vous tombez dans l'ostentation. Dans Ria, à cause de meilleur, vous faites avec les doigts, personne ne va vous connaître. Alors, s'il est servi d'une façon pour faire publicité avec ça, quand on finit, servi, il ramasse lui. Il ramasse lui, ou soit quand du monde vient, il cachette lui. Claire? Et, il n'est pas à cause de ça, Tesbi là, l'eau se licou, et là, mettez dans ce licou. Et là, pendant qu'il est dans la maison, il pleut dans la maison, il reste mancé, ça, comme une décoration. Quand il y a allé ce Tesbi dans ce lamé, ça, c'est l'ostentation, faites très attention. Quatrième condition, les, pas servili dans une façon qui ressemblait à ban koufar. Il pas servili dans une façon qui ressemblait à ban koufar. Dans, parce que dans certaines, man, par exemple, man, dans l'hindouisme, je te servis tesbi. Alors, je ne faisais pas ressembler ça. Et dans le soufisme, je te servis ça. Mais dans les coups, etc. Gros, gros lagrin, comment dire, coconut, comme ça. Alors, gros, gros lagrin, c'est un signe, un symbole du soufisme. Alors, s'il ressemblait ça, nous devons prendre beaucoup de précautions. Numéro 5, cinquième condition. Pas servi d'une façon qui ressemblait à Bidati. Pas servi d'une façon qui ressemblait à façon qui va Bidati servir. Alors, une façon de faire lui, une façon spécifique, il pas ressemblé ça, façon là. Alors, quand il confirmait que l'origine de la chapelet, il est depuis Ban Koufar, ça fait très attention, même si nous peut trouver que l'opinion servi comme un instrument pour qu'on teste il faut, nous besoin éviter lui, et plutôt nous servir un autre instrument, un autre moyen, ça, ça fait peser, compter là, comme ça, l'électronique, ça, mais rien nous servit ça pour compter. Claire? Et dans affaires électroniques, comme ça, nous peser, nous larguer, nous peser, nous larguer, servit ça plutôt. Parce qu'il fait l'origine chapelet, il sortit depuis, ban culture autre que l'islam. Faites très attention, à cause ça que nous disons, mais évite-lui, et si tant capable, apprendre compte le haut les doigts. Apprendre compte le haut les doigts. Alors, et d'une façon, comment compte tesbi le les doigts, si quelqu'un qui pose sa question là, il pose lui, là, nous, quand passe live, nous, voir pourquoi l'invente question là, poser pour vous. Alors, nous, finissons d'une façon, ben, nous, l'avons expliqué comment faire tesbi, l'eau, les doigts, et les bien facile. Ça, c'est cinq conditions pour servir tesbi. Question numéro 6. Une question, assalamu alaikum, une madame, qui a un petit pregnant, lui, pas titier fidia. Est-ce qu'il n'a ou lui, besoin de lui? Alors, nous, répondons une question concernant, ben, madame pregnant, et dans l'état de, dans le mois de Ramadan. Est-ce qu'ils regardent Rosa ou bien non? À l'opinion qui plie faux, une madame qui pregnant, et ça peut affecter son pregnancy, l'ina seulement pour donner fidia, et l'ipina pour remplacer. Ça, l'opinion plie faux, par le parole de Ibn Abbas et Ibn Sahaba. Claire? Mais, l'ipina donne fidia. Maintenant, l'ipina fait une négligence dans donner fidia. Dans le mois de Ramadan même, comment Ramadan rentre, il finit donne son fidia. Ou soit, comment Ramadan terminé, il donne son fidia. Une madame qui pregnante, li pas une fidia. Li pas correct du tout. Li pas correct du tout. Alors, c'est droit Allah subhanahu wa ta'ala. C'est droit de ban pauvre.
ou pas garde rosa, Allah fin met un prescrit un moyen, un système pour compenser ce que vous pas faire. Maintenant, vous faites une église en ça, donc. Qui vous a fait? Obligé de aller tout de suite. Et vous demandez tauba. Et pas faire ha irela encore. Tout de suite, tiali. Et demande un tauba sincère avant vous tiali. Demande tauba. Parce qu'on retarde, il n'est pas correct ça. Question numéro 7. Assalamu alaikum. Moi, j'ai une question. Pour iftar, est-ce qu'il est capable de commencer par boire de l'eau après, suivi d'une date? Est-ce qu'il est capable de boire de l'eau avant? Les lamos mangent un tam. Alors, iftar, connaît meilleur qui tu pour faire iftar, c'est avec tam. Claire? Si pas gagne tam, les lamos boire de l'eau. Basant l'eau, ça, hadith là, nous dire, meilleur nous commence avec tam, avec date, les lamos boire de l'eau. Les lamos boire de l'eau. Rapporté par Anas ibn Malik, les gens, Rasulullah, tu peux faire iftar avec rutab. Rutab veut dire tam frit. Mon pays n'a rien qui, côté moi, mon cas montré où. Tam frit qui ne fait casser le bronze, et encore mol, une partie, on peut dire, les couleurs jaunes. Alors ça, c'est rutab. Clair? Quand l'Arabie, ou capable, demande banna, banna, gali, demande frise, pour préserver. Donc, Rasulullah, tu peux faire iftar avec rutab, tam frit, avant qu'il y fasse salat, et maghrib. Si pas tu es dans rutab, l'été peut faire iftar avec tam sec. C'est-à-dire, qui part au top, qui part frais. Si pas tu es dans tam sec, l'été peut boire quelques gorgées de l'eau. Donc, ça c'est sunna. Ça c'est sunna. Nous commençons avec tam. Avec date. Contrairement à comment nous trouvons certains du monde, nous commençons avec ce samoussa, ce katlis, ce half moon, ce full moon, ou ça ce quarter moon. Non. Ça c'est khilaf ou sunna. Il n'est pas une comète haram, lui. C'est lui qui commence à dire une boisson à l'ouda avant. Il n'est pas une comète haram. Mais c'est ma, tout bad nasib nous dire. Nous te dire, pour nous, Ramadan, il y a un succès, fait les bases de sunna. Prends les binous sahri, jusqu'à nous iftar, et jusqu'à nous salat tout tarawi. Base, fait les bases de sunna, pour lui, il y a un succès. Parce que c'est ça, Ramadan, là, c'est sa qualité rosa, là, qui vous vient une protection pour nous, dans Qabar. Et hier, dans Khutba Djuma, nous causons l'eau là. Et Ramadan, il fait nous rappel qu'il a mot, puis coster. Et Ramadan, ce rosa, et rosa en général, il y a une protection d'un kabar, c'est lui qui va l'écouter, il est capable à l'écouter. Donc, sa qualité rosa là, qui vous donne une protection pour nous d'un kabar, un rosa qui, souvent, l'obligation, nous venons accomplir, souvent, sunna, et souvent, mustahabbat. C'est sa qualité rosa là qui donne nous plus récompense, et il vient une protection d'un kabar. Donc, c'est dans sa façon là qu'il nous fait iftar, avec tam frais, si peu na tam frais, n'importe qui tam, et si Pénatam, l'Ela nous prend de l'eau, nous boit. Donc, celui qui boit de l'eau avant, l'infer moukhalaf est sunna. Alors, sunna, c'est mange tam avant et boit de l'eau. Et là, on tient l'attention, et là, il y a besoin de manger trois tam. Non. Mange tam, un nombre, un pays, les izouïd. Les izouïd apportent ça pour iftar, pour sehri, et pour ben les autres l'occasion qui est recommandé pour manger tam, il n'y a pas de combien on a envie de manger ou manger. Mais trois, cinq, sept, neuf, un nombre, un pays, les izouïd. Les izouïd le matin. Rapportez pas Anas ibn Malik, les dire quand le sol, là, tu peux faire iftar, tu peux commencer avec tam sec. Donc, nous commençons avec tam, soit frais, soit sec, les là, nous boit de l'eau. Comme il fait toi de l'Arabie Saoudite, dire, faire iftar avec rutab, tam frais, ou tam sec, lui recommander, mais il n'est pas obligatoire aussi. Vous savez qu'on est, il n'est pas obligatoire. Donc, c'est lui qui commence avec de l'eau, il n'est pas une faire haram, mais il fait ce mokhal avec le sunna. Il n'est pas pour gagner sa récompense qui s'y posait gagner là. Question numéro 8. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Quelques questions concernant zakat. Est-ce qu'il y a une zakat, l'eau, ban cher, stock exchange? Ça qui est une personne, il y a, par exemple, il a acheté, disons, 1000 shares dans une compagnie, X, Y, Z. Est-ce qu'il y a une zakat, l'eau, ça ban cher? Deuxième. Est-ce qu'il y a sa façon de faire zakat là, il est correct? Alors, la personne, il est évalué. Combien il y était, il y en a à ce là, valait 10 euros, il y en a tiers 2.5%. Qu'il y soit l'eau lasant, liquide, et qu'il y soit l'eau marchandise destinée à la vente. Clair? Parce que tout marchandise qui est dans le store, dans le warehouse, et tout cas qui est dans la banque, ou soit dans le coffre, dans la cave, dans le tiroir, clair? Alors, c'est pas tout qui fait un an là-dedans. Donc, il m'a demandé, quand arrive, par exemple, Ramadan. Il a fixé Ramadan pour tirer ce zakat. Alors, quand arrive Ramadan, qu'il y fait, il compte comme un casino, le tout se manque compte. Qu'il soit en termes de devises étrangères, ou soit roupie mauricienne, ou soit un peu importe. Ensuite, il checker la case comme il y en a.
Par exemple, il y a 1,5 million, il fait 2,5% des 1,5 million sans qu'il y prend compte qui l'argent fait un an, qui pas fait un an là-dedans. Alhamdulillah, ça l'y corrige. Comme ça même pour ban, le marchandise destiné à la vente. Toutes les choses qu'on met, on colle étiquette avant l'eau là. Comprends bien. Tout ce qui est chose qui on fait l'intention de vendre, on met qui pour vendre ça. Qu'il soit la case, qu'il soit terrain, voiture, on met pas derrière le pare-brise à vendre. S'il finit, fait un an, depuis on met ça. Claire? Mais ça, c'est ça, quatre lots, là. Alors, dans le warehouse, par exemple, la boutique en tabasi. Claire? Et dans la carte? Oui, dans la carte. Pas le bâtiment, là, mais le ban l'article qui est destiné à la vente. Alors, ce qu'il faisait faire, il faisait faire l'inventaire. Les guetter dans le ramadan, les fixer dans le ramadan, les faciles comme ça, dans la façon, là, pour ban l'article et l'argent liquide. Les assiser, les compter, ce selling price, combien? Bonbon, pastic, sobe, ice cream, pixie doux, moulko, baguette fromage, tout ban gâteau popcorn. Il a saisi, il fait l'inventaire, qui valait, il était, valait du jour, il tient 2,5% le lac de Nzakat. Claire? Alors, est-ce qu'il est correct? Oui, il est correct. Alors, la personne, il évalue ce qu'il y en a actuellement, nous pouvons venir le chier là, nous pouvons répondre le chier. Et, disons, dans la banque, il y en a 700 000 roupies, alors, l'année passée, et ça l'année là, il y en a 50 000, qui se monte en Zakat, est-ce qu'il est obligé de tirer le 700 000 ou soit il est obligé de tirer le 50 000? Non, ou tirer la quantité qui est là. Alors, nous répondons à une question. Ça sœur là peut demander ou ça frère là peut demander, est-ce qu'il est ban shares et en Zakat? Et est-ce qu'il est façon qu'il tire Zakat, le ban l'argent liquide qu'il y en a et le ban l'article qu'il y en a, les corrects, ça n'est pas comme il y en a, il tape 2,5%, il tire. Alors, nous dire, Zakat, le shares, ban stock. Zakat, le shares, les 2,5%, le valier qu'il y était actuellement. Alors, vous inquiétez sur valier qu'il y était actuellement. Si, par exemple, les chastes shares, là, pour une valier de 100 000 roupies. Et actuellement, ce shares, il équivalent à 150 000 roupies. Les besoins de Zakat, le 150 là. Le valier actuel. Beaucoup de gens font erreur. Par exemple, il y a le warehouse, les guettes le prix qu'il y nasté. Pas le prix qu'il y vendait. Ou soit prix qu'il le marché. Donc, c'est un erreur. Besoin de le prix vendé. Chez Rothermine dit, hein, Zakat, le shares, ou ce ban semblable, dans ban business, liba, l'osso, market value. Si quand y a sté, li vaut 100 ou 100 000, et actuellement, li vaut 10 000, quand fin arrive le moment pour retirer Zakat, alors, bizan, basi, l'eau, 10 000, pas l'eau, 1000, pas l'eau, buying price, l'eau, li bizan, t'y l'eau, selling price. Parce qu'il nous prend en considération, c'est valeur de sa kitsosa, quand Zakat vient obligatoire, l'oli. C'est-à-dire, l'année, zou, l'air qui Zakat vient obligatoire, l'eau en kitso nous prend son valeur actuel. Là, nous tire Zakat, l'eau, ça. Et, oui, il est correct, sa façon qu'il nous fait dire là, pour l'argent liquide, et, ban, mensandi qui est destiné à la vente. On a dit, pour ouvrir au compte, l'eau juice, ou guetter, ou faire un total, ou compte tout ce qui est là, la case, l'argent qui est là, c'est ce qui est gardé, on ramasse, ou prend tout, on met là, ou tape 2,5%, ou tire au Zakat, tout donné. Mais maintenant, l'argent fait un an, pas fait un an, ça l'est meilleur. Et, cher Ibn Oba, il dit, s'il tient Zakat dans tout ce qu'il y possédait, quand un an traverse l'eau là, le sous premier l'argent, c'est-à-dire le premier l'argent qui un an traversé, avec tout ce qui finit une colle avec lui ou tiré, il dit, puis il n'a aucun problème, ça lui suffit, alhamdulillah. Cher Othermine aussi dit, il est correct, puis il n'a aucun problème si une personne fixée un mois spécifique pour tirer ce Zakat, l'argent liquide, et maintenant, sans dire qu'il est destiné à la vente, quand arrive ce mois là, il compte l'argent qu'il y en a à côté, il tient ce Zakat. Même ce qui ne fait un an, et même ban qui pan fin fait un an, pour, même pour ce qui fin arrive sur hall, il tient et pan arrive sur hall, il tient ce Zakat. Alors, si l'année passée, il tient 700 000, par exemple, et là, il y en a 500 000. Alors, il tient Zakat, là, c'est qu'il y en a dans sa possession, mais à condition qu'il y ait une bizarre atteinte ni sobre. Et là, nous saisissons à l'occasion là, nous fin tient une fanflette, au niveau Al-Huda wa Nour, un résumé le Zakat dans trois feuilles PDF. Alors, il y a trois feuilles. Alors, celui qui est capable de contacter Bodifta Al-Huda wa Nour ou soit bureau Al-Huda wa Nour, ben, est capable de forward li ça. Et mon cher, le mot passe Facebook, celui qui retourne le mot passe Facebook, li vous trouvez en Ali. Mon cher, le mot passe Facebook. Question numéro 9. Et là, tout mon explication, le Zakat, bien facile, un guide bien simple, bien facile. Comment acquitte Zakat? Il y en a beaucoup, ben, explication, le chaise, stock exchange, voilà, comment tient Zakat, l'eau, là. Question numéro 9. Assalamu alaikum. Question depuis un CA. L'étude prend un life insurance, 20 ans de cela.
Acheter l'assurance là, paye-lui tout ce qu'il contribue, plus bonus. Est-ce qu'il y a un droit à service à bonus là, ou c'est une forme de l'intérêt? En vérité, l'assurance, c'est une transaction dans laquelle peut payer l'argent pour gagner l'argent en retour. Claire? C'est payer l'argent pour gagner l'argent en retour. Et alors, nous comprenons par ça qu'il y a un dealing qui s'appelle money exchange. Il y a une forme de money exchange. Dans l'islam, quand on fait un money exchange, l'argent pour l'argent, bien fait les hand in hand. Ex, un donne, un veut la main donner, un la main prend. Claire? Par exemple, on a roupie, mon père c'est de l'or. Me donne mon roupie, me prend mon dollar. Claire? Et les bien même quantité, même valeur. S'il n'est pas hand in hand, alors l'intérêt rentre là-dedans. C'est un qu'appelle riba et nasi'a. Il y a deux cas de riba. Fadl et nasi'a. Claire? Ça, c'est riba nasi'a. Si mon panne donne en main droite et prend en main gauche, d'une façon causée, avec la riba et nasi'a. Si mon donné, m'a dit, elle prend 100 dollars là, toi aller et t'emmènes, c'est pas, 4000 roupies pour moi. Parce que dollars, environ, 4500 roupies. Il y a 45 roupies et 1 dollar. Claire? Alors, dis pas prendre mon dollar et aller ensuite après 5, 6 jours, soit 2, 3 jours, soit t'aller d'un petit moment, il vous vient donner. Non. Bizarre donner en place. Sinon, riba rentre là-dedans. Système-là, riba rentre là-dedans. Claire? Il bizarre même quantité. Claire? Et s'il n'est pas même quantité, riba al-fad rentre là-dedans. Par exemple, me donne-toi 10 vieilles roupies. Claire? Et pour te donner moi 8 nouveaux roupies. Pas correct. Qui fait? Pas une question de vieille, pas vieille là. Il bizarre pareil. Alors, je vais dire dinar, pièce l'eau pour dinar. Longtemps, tu me servais dinar. Alors, un dinar pour un dinar. Bizarre, pas, il y en a en plus entre les deux. Dirham, pièce l'argent pour dirham. Longtemps, tu me servais pièce l'eau et pièce l'argent. Comme. Pour servir comme l'argent. Alors, je vais dire pas vendre un dinar pour des dinars et non plus un dirham pour des dirhams. Donc, l'assurance, il est basé au riba. Parce que si un client peut payer, par exemple, 2 500 pour gagner 25 000, il vient acheter une grande somme pour payer une petite somme. Ce que l'assurance-là peut décrire comme bonus, en réalité, l'intérêt, ça. Claire? Pour quantité qui ont accumulé contre lui, il donne l'intérêt, là, pas bonus, ça, pas profit, ça. Même s'il fait une sens ou non, on appelle les bonus, profit, dividende, peu importe. Ce qui nous prend en considération, c'est pas l'appellation, mais façon transaction là pour m'aider, comment aller dérouler. Alors seulement en plus qu'il est fini gagner, qu'il est bien faire ça. Claire? Il besoin d'un sadaqa. Il fait sadaqa avec ça comme on l'a fait dire, Cheikh Ibn Baz et comité fatwa de l'Arabie Saoudite. Claire? Alors nous donne sadaqa avec ça en plus là. Étant capable, nous pas rentrer devant l'assurance, pas nous propre, comment dire, volontairement dans le méthode dans l'assurance. Si elle a l'obligation, l'ONU ne va pas faire autrement. Quand on a payé nous, si on nous en plus, nous prend juste ce qui nous contribue. En plus, ça nous défalque. Parce qu'en plus, ça, c'est riba, c'est dhulm, ça. Claire, nous prend seulement nous l'argent qui nous contribue. Et question numéro 10, avant dernière question. Assalamu alaikum. Si Pébizin prend médecine par voie vaginale, 2 fois par jour pendant un mois, est-ce qu'il Pébizin fait roussel chaque fois qu'il finit médecine là par voie vaginale, jazakallahu khairan, la réponse c'est non. Et l'ini casse rosa. Comité fatwa de l'Arabie Saoudite, tu as questionné, si une madame ou une doctrice met un appareil ou bien un médicament dans ce parti privé par voie vaginale, comme on appelle lui, est-ce qu'il roussel vient obligatoire et est-ce qu'il rosa vient invalide? Est-ce qu'il rosa vient obligatoire, roussel vient obligatoire et rosa vient invalide, est-ce qu'il casse rosa? Je finis répondre, s'il y passe, comme a finit mentionné, roussal pas obligatoire, et ni l'invalide rosa. Donc, il ni fait roussal une obligatoire, ni l'invalide rosa. Question numéro 11, et dernière question pour cet après-midi. C'est une question en relation avec madame qui est dans l'état de haid. Et votre présence dans masjid pour la salat de Tarawih. Parce qu'il y a madame, vous êtes content avec une masjid, même vous êtes indisposé, dans l'état de Hay, et je t'assiste dans Masjid. Alors, hier, je te suis imam, je te content, écoute lecture Coran. Alors, ça, c'est un mas'ala des grandes divergences qui, c'est un Masjid, c'est un madhab plutôt, nous dire, pas d'accord, une madame qui, dans l'état de Hay, rentre dans Masjid.
Est-ce qu'il est correct ou non? Nous disons non, il n'est pas correct. Une madame qui est dans l'état de haid, il a le droit de masjid, oui, il a le droit d'entrer. Il a le droit d'assiser, oui, il a le droit d'assiser. Clair? Il a le droit d'écouter la lecture du Coran, oui, il a le droit d'écouter. Clair? Alors, question là comme ça. Une madame, assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh, une madame qui lit dans sa période haid, est-ce qu'il est capable de lire le Coran depuis son portable? Est-ce qu'il est capable de lire le Coran depuis son portable? Et deuxième, est-ce qu'il est capable à le masjid pendant les tarawis pour lui écouter le Coran? Alors, ce qui Allah augmente, ça va une qualité, madame, là, ça va une qualité, ici, là. Comme réponse, on dit, normalement, quand une madame dans son haïd, il est capable de lire le Coran. Cheikh Al-Islam Ibn Taymiyyah, rahimahullah, ta'ala, il dit, il connaît qu'il va une madame, tu peux gagner une période haïd dans l'époque du prophète, alayhi salatu wa salam, ou même une madame, tu peux gagner haïd, tu peux gagner. Mais il n'est pas, tu es en paix, ben là, il y a le Coran. Cheikh Al-Islam Ibn Taymiyyah, rahimahullah, ta'ala, il dit encore, il peut être misib à un haïd pour lire le Coran, contrairement à un junoub. Un djimoun qui est dans l'état de Janaba. Lilon. Et ça, c'est madhab, imam Malik, et d'après un riwaya de imam Ahmed. Si haïd là, il peut, qu'il est capable d'oublier le Coran, s'il n'est pas révisé, il est obligé de lire. Par exemple, une madame, il est hafiz le Coran. S'il n'est pas révisé, il est oublié. Alors, il est obligé de lire. Alors, il est obligé de réviser. Cheikh Ibn Baz dit, c'est qui correct, c'est qui pas un problème, qui est une madame qui dans ce pays de Haïd lit le Coran aussi. Parce qu'il pas fini, il n'a aucun texte authentique et direct qui empêche une madame qui est dans l'état de Haïd ou Nifas pour lire le Coran. Cheikh Ibn Baz dit, pas il n'a aucun problème et aucun empêchement pour qu'une madame lit par cœur, c'est qui facile pour lire depuis le Coran pendant qu'il est dans ce pays de Haïd ou Nifas. Et ça, c'est aussi l'opinion des Cheikh Al-Almani, rahimahullah ta'ala, et Cheikh Mustafa, et ainsi de suite. Mais la question qui se pose, c'est tous copie Mus'haf. C'est tous copie Mus'haf. Alors, fais comme si, pour un petit moment, ça a une copie Mus'haf, ça. Une madame qui est dans l'état des haïd, il y a un droit de rappeler comme ça. Une madame qui est dans l'état des haïd, est-ce qu'il y a un droit tous copie Mus'haf? Et la différence entre Coran et Mus'haf. Alors, si vous permettez-moi, plutôt, on amène un Coran et nous pas passer un livre pour Mus'haf. Voilà. Ça, c'est, on appelle ça un Mus'haf. Ça, on appelle ça un Mus'haf. Ce qui est là à l'intérieur, ça amène l'écriture là, ça, c'est Coran. Donc, fait la différence entre Mus'haf et Coran. Clair? Est-ce qu'il y a une madame qui est dans l'état de haïd ou son nifas, il a le droit de trapper ça comme ça? Est-ce qu'il a le droit de trapper ça comme ça? Alors, on dit, majorité ulama dit que sans roussal, il n'est pas permissible qu'il y ait une personne qui tous copie le Coran. Sans roussal, majorité ulama dit qu'il n'est pas permissible pour une madame ou soit un djimoun qui peine en roussal, parce qu'il y a une madame qui est dans haïd, il peine en roussal. L'oli. Et il n'est pas tous copié le Coran. Les prophètes disent qu'il personne pas tous le Coran excepté un qui propre. Qu'il personne pas tous le Coran excepté un qui propre. Et la différence entre lecture, la lecture est permissible. Mais toucher là, trapper, toucher, ouvrir. Là, nous ne pouvons pas ça. Alors, Cheikh Ibn Baz dit un haïd et un nufasa, une madame qui est dans l'état postnatal, vous êtes capable d'attraper le mushaf avec une petite chose qui empêche le toucher directement. Vous mettez un légant dans votre lamé. Je te mets dans les gants, là, là, je te trappe. Pas trappe, comment dire, la main nue. Je te mets dans les gants, je te la mets, je te trappe, et là, là, je te ouvre, je te tourne pas aussi, pas trappe directement. Donc, ça, je te révise le Coran, et je te lire, continue de faire une lecture Coran, dans, soit là, tout à l'heure, oui, si vous voulez faire individuellement la case, ou bien, je te fais une lecture Coran, normalement, qui nous fait dans les mois de Ramadan. Avec un légant, avec un haïl, une protection, qui ne sont pas tous Coran directement. Tel comme un vêtement propre, ou un kitso qui semblable à ça, est plus facile un légant. Un légant, la laine, coton, la toile. Cheikh Ibn Baz dit encore, si un haïd peut bien lire depuis Mus'haf, guetter lire, il n'y a pas un problème à condition qu'il y fait ça au-delà d'un barrière. C'est-à-dire, pas un légant. Ou soit, quelqu'un, Coran a posé devant lui, loin de la table, là, il prend un bâton, clair, pour tout une bonne page, là. Ou soit, une plume, puis tout une bonne page, là, avec plume, qui est un peu difficile. Et là, un système qui m'en a vendu dans l'Arabie, dans le pays arabe, dans l'Ali,
Parce qu'on ne va pas faire de tourner comme ça. Ils ne sont pas tous par ça directement. Ils ne sont pas tous par ça directement. Alors, si un haïd peut bien lire, Cheikh Ibn Baz, il n'y a pas de problème à condition qu'il y fait ça au-delà d'une barrière. C'est-à-dire, pas mettre une protection dans son armée. Pas mettre une protection dans son armée, tel comme les gants ou ce semblant. Quant à un haïd, il est permissible pour lire le Coran, l'eau sous potable, parce que le Coran, l'eau potable, il n'y a pas de mushaf. Il y a un programme, ça. Une fois que vous fermez, par exemple, si je me dis, il y a un programme Coran dans sa tablette-là. Si mon verli, il y a un programme Coran là-dedans. Est-ce que sa tablette-là, il y a un Coran, il y a un mushaf? Non. Il n'y a pas de mushaf. Clair? Alors, il y a un droit de lire. Sans aucun haïl. Il ouvre son potable. Lui voit ce programme côté de la Coran, lui lit, lui trappe ce potable, parce que potable pas moussaf là. Lui un programme ça. Alors, quand à lire le Coran depuis potable, ça, lui permissible, parce qu'il potable par conséquent moussaf, chez Fawzan, il y a moussaf besoin par tous lui, excepté dans l'état de propreté, comme à la hadith, qui personne par tous Coran, excepté un qui propre. Quant à parole, quant à potable, lui pas être appelé comme moussaf. Et concernant, est-ce qu'il y a un haïd qui a un droit al-mazid pour écouter Tarawi? Ça, il y a une divergence pour un ulama. Il y a un ulama qui dit catégoriquement, il n'est pas permis pour un haïd dans un mazid. Mais il y a une preuve. Zopi n'a aucune preuve. Zopi n'a aucune preuve pour empêcher une madame qui est dans l'état de haïd pour un mazid. Au contraire, il y a une preuve du contraire. Qui veut dire preuve du contraire? Une madame qui est dans l'état de haïd, il y a un droit dans un mazid. Donc, c'est un sûr. Il n'a plus envie al-mazid dans l'état de haïd. Et il fait comment dire, il peut faire Tarawih dans le masjid, quand on arrive dans cette période, il gagne droit à aller. Il y a 6 fois derrière pour lui écouter lecture qu'il a commencé avec l'imam là, oui, il gagne droit. Clair? Alors, ça veut dire, il y a une preuve authentique qui prouvait qu'il est prophète, qui permet à Aïcha rentrer dans le masjid dans l'état de haïd. Rapporté par Aïcha, il dit, Rasulullah, fin dire, donne-moi khumra. Les prophètes demandent sur madame Aïcha, donne-lui khumra. Qui était sa khumra? C'est ça même qu'on appelle Moussalla aujourd'hui. Un Moussalla pour faire Salat. Tu appelles ça un Khumra. Alors, Aïcha vient d'y aller. Ya Rasulallah, bimouda Haïd. Moi, quand je dans ma zid, donne-toi lui. Parce que Khumra là, tu es dans ma zid. Alors, c'est bon, vient d'y aller. Haïd là, il n'est pas dans toute l'armée. Il n'est pas dans toute l'armée. Donc, tu as le droit de rentrer dans ma zid pour prendre Khumra là. Donc, basant le Hadith, nous comprenons que si tu es interdit pour une madame rentrer dans ma zid, une madame qui est dans Haïd rentre dans ma zid, les prophètes vient d'y aller, ils n'ont pas rentré. Tu es dans toute Haïd. Il dit non, Haïd pas dans toute l'armée. Tu as le droit de rentrer, trapumra là, amène de moi. Voilà, ça c'est nos 11 questions. Donc, est-ce qu'il y a une madame qui est dans l'état de haïd, il a le droit de mazid? Oui. Est-ce qu'il y a une madame qui est dans l'état de haïd, il a le droit de lire le Coran? Oui. Il a le droit de lire le Coran pas ok? Oui. Il a le droit de guider dans le Coran, lire en mettant un lami, un légant dans ce lami? Oui, il a le droit, mais il n'est pas tous le Coran directement. Voilà, vous espérez les clair. Qu'Allah subhanahu wa ta'ala donne nous la compréhension de ce dîn. Continuons avec d'autres questions. Ramadan peut tirer à sa fin. À vous, une question toujours concernant une question que vous avez trouvée en relation avec Ramadan. Nous, vous faites les nécessaires pour répondre. Et à vous, une question normale maintenant, et qui vous avez envoyé. D'ailleurs, votre soeur, votre frère, les a pu envoyer. Nous avons une belle stock de questions en cours qui peut venir la semaine prochaine, qui peut être en relation avec Ramadan. Mais nous vous donnons préférence toujours une question en relation avec Ramadan. Voilà. Et nous remercions, Jazakumullahu khairan, pour votre patience et votre fidélité et votre attention. Qu'Allah subhanahu wa ta'ala les découle la compréhension de ce qu'on a écouté dans le lecteur. Continue à envoyer nous cette bonne question. Le 5-7-6-D-42-13. C'est le numéro de Boud Ifta al-Huda wa-Nour. Et nous vous faisons les nécessaires pour répondre dans le plus bref délai. Et peut-être beaucoup de frères, de sœurs, finiront remarquer qu'il y a une question qui vient d'envoyer là. De sœurs qui n'envoient ça, de frères qui n'envoient ça. Nous ne désirons finir répondre. Et surtout, bonne question en relation avec Ramadan. Nous passons live pour les autres frères. Et c'est aussi profiter avec sa bonne réponse là. Nous retrouvons inshallah samedi prochain à la même heure 13h15 après la salat al-dhuhr. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Jazakumullahu khairan. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.